Alors? Mais alors quoi? Alors quoi? Mais putain, Chloé, dis alors, les choses une fois pour toutes, c'est chiant parce que je vois que ça titille là, t'es là comme ça, t'as envie d'en parler mais t'oses pas. Ah, c'est tu crois que j'ai envie d'en parler? Oui. Ah ouais, d'accord. Oui. D'accord. Parce que c'est pas anodin si pendant 3 mois t'es pas sortie de chez toi et t'as rien foutu. C'est d'accord. Bon, c'est quoi ça, c'est à cause de l'autre pouf là? Garance, c'est ça? Bah déjà il y avait Garance, oui, ouais, déjà ça ne m'a pas plu, et donc autre chose, il y a eu autre chose. Quoi? Bah un truc avec Benoni, voilà. Vous avez couché ensemble? Non, pas du tout, alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il t'a dit un truc en particulier? Il m'a dit un truc en particulier, ouais. Alors dis-moi. Eh ben, j'étais lourdée de cette soirée, j'ai voulu me casser, et au moment de partir, je me retrouve nez à nez face à Benoni et le mec me dit « je t'aime ». Voilà. Non. Si. Le mec m'a dit « je t'aime », ouais. Attends, il t'a dit « je t'aime » et tu lui as rien dit depuis 3 mois. Eh ben non. Non mais Chloé, ça se passe pas comme ça. Enfin, avec moi, c'est une chose parce que je te comprends, mais tu peux pas faire ça avec Benoni. Bah si, je peux faire ça avec Benoni. Donc là, t'as décidé que tu le revois plus, en fait. Ben oui, entre autres, t'as plus du tout envie de le revoir. Mais je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas réfléchi, je sais pas. Ça me va très bien de pas le voir pour le moment, je me porte très bien sans lui, donc ça va. Mais bouge-toi, hein. Mais qu'est-ce que je me bouge à mais quoi? Mais tu peux pas le laisser comme ça, tu peux pas laisser une personne qui te dit je t'aime alors que c'est ton meilleur pote, vous voyez depuis je sais pas combien d'années, et d'un coup plus du tout le voir. Mais il avait pas, mais il avait pas de respect pour lui, mais peu importe, bah, s'il avait eu du respect pour moi, il m'aurait pas dit je t'aime en fait. Bah parce que c'est irrespectueux de dire je t'aime à quelqu'un. Ouais, ouais, quand t'as ramené toutes tes poufs et que t'en as rien à foutre. Mais parce qu'il sait pas comment faire, il est paumé ce garçon. Il est amoureux de toi, il sait pas comment faire et t'as sorti ça comme ça parce qu'il n'y a aucun tact. N'empêche qu'à un moment donné, fais un effort, je sais pas, appelle-le. Ça ne se appelle-le. Fait pas. Tu lui vois un texto, j'en c'est sais pas rien. À moi de le faire en fait, c'est à lui de venir mais vers moi. Mais il l'a fait, il t'a dit je t'aime, bouge-toi. Mais les choses elles tombent pas du ciel. Mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc t'as plus du tout envie de le revoir, tu vas rester comme ça. Juste pour ça, juste parce que le gars il t'a dit je t'aime, et ben tu décides de tirer une croix sur ce type. Je tire pas une croix dessus, mais tu vas finir vieille fille comme ça. Parce mais que non, mais bah si, vieille, parce que non. Tu vas être très vite contrariée dans la vie. Hein. Non, ça va. Bah ça alors... va, ça va. Et bah alors quoi? Et bah alors non, je vais pas l'appeler, je vais pas lui écrire, je vais pas. C'est pas t'es à moi de le faire. Chiante, Chloé, ouais, t'es chiante. Là, si tu le fais, au moins on serait pas là. On est tout le temps en train de parler de Benoni. Bah oui, mais alors arrête de parler de Benoni, putain. Mais non, mais parce que c'est là, c'est ton leitmotiv en fait. Ah ouais, je dis, bah ouais. Parce que tu dis non, sauf qu'au final, c'est toujours ça qui revient dessus parce que ça te travaille. Arrête de me prendre pour une conne, en fait. Mais je te prends pas pour une conne. Bouge-toi, prends ton portable, fais quelque chose. Ça ne se fait pas. Mais un minimum de respect pour lui, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que j'écris? Alors que je qu'est-ce que j'écris? Ben, tu lui écris « Bonjour Benoni, ça fait longtemps, je pense à toi, si ça te dit qu'on se voit, ça serait chouette. » Chose comme ça. C'est beaucoup trop long. Et ben, tu lui dis comment ça va depuis le temps, si ça te dit. Non, mais c'est déjà beaucoup trop long en fait. C'est Benoni, c'est beaucoup trop long. Et vous êtes compliqués tous les deux. Hein. Bah, tu lui dis, je sais pas, on se voit, c'est bien, on se voit. Et si j'ai pas envie de le voir? Bah, dans ce cas-là, reste chez toi toute seule, puis vois plus personne, je sais pas quoi te dire. Si tu décides de plus voir cette personne alors qu'en fait, je vois bien que t'en as envie. En fait, tu te prives, tu te compliques la vie, tu te prives de plaisir que tu peux avoir. Tu peux me passer une touillette, s'il te plaît. Mais lui, on se voit. Et tu verras, au moins, il dit non, il dit oui, et bah t'aviseras. Prends des risques un peu, là. Oh, ouais. Oui, d'accord. Oui, tu vois. Voilà, regarde. Je vais le faire, mais parce que ça te fait plaisir. Non, moi, je m'en fous. Je sais très bien de ce que je pense de Benoni. Moi, ouais, ça me ouais. fait plaisir parce que ça te fait plaisir. Parce que je sais très c'est bien ça. Que tu veux plus. Sinon, ça t'aurait pas fait chier qu'il ramène l'autre là. Pardon. D'accord. Garance. J'en fous. Donc, on se voit, quoi. Oui, on se voit, c'est bien. On se voit. Ok. Au moins, c'est oui ou non. Point d'interrogation. Ouais. Oui, bah oui. Enfin, à moins que tu veuilles lui imposer. Non, je peux rien voilà, du on tout. On se voit, point d'interrogation. Mais si on se voit, enfin, ouais, ok. Bah, quoi, si on se voit quoi? Bah, je sais pas, verras. Qu'est-ce qu'on va tu se verras. Raconter, je sais pas. Bah, tu verras. On ne peut pas tout prévoir dans la vie, hein. Et ouais. Bon, bah, voilà, c'est envoyé. C'est bon? Ça bah, fait ouais. plaisir. Bah, et toi, ça te fait plaisir? Bah, énormément, tu penses.
Oui, mais je vois bien que ça te fait plaisir. Ouais. Mais ça va, c'est pas la fin du monde. Mais... Hein. C'est quoi, ça t'angoisse qu'ils te disent non ? Non, qu'ils me disent oui, plutôt, ouais. Mais ce sera une bonne chose. Ça fait 3 mois que tu fous rien, là, et je suis sûre que tu te morfonds à cause de ça. Je vais très bien. Oh putain, il a répondu. C'est lui ? Oui. Il me dit quoi ? Ok. Tu vois, t'as le sourire. Ok, il a répondu ok, ok, ok. Voilà. Bah voilà, c'est très bien. Oui, bah c'est maintenant, bien. Tu lui dis... Non, mais c'est bon. Maintenant, je dis pas... Non, mais tu vas attendre 3 mois, sinon je te connais. Je vais pas attendre 3 mois, c'est bon, je lui répondrai plus tard. Donc tu le vois ce week-end ? Ce week-end, oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Ce week-end. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine. Tout à fait. On va se faire un ciné, une expo. Mm-hmm. Hein ? Bah oui. Ah, t'es toute excitée. T'as que... Ok, ok. On verra ce qu'il en est. C'est bon. Thank you.